À tous, bienvenue ici au 15 rue de la Fontaine au Roi pour cette rencontre, cet échange autour du mythe de la Startup Nation. Avant de passer la parole à nos partenaires du Mouton Numérique qui ont co-organisé cette soirée, je voulais juste prendre quelques minutes pour vous présenter un petit peu ce lieu qui nous accueille et plus précisément pour vous présenter Creatis. Creatis, nous sommes une résidence et un accélérateur de projets innovants dédiés à la culture et aux médias émergents. Donc très concrètement, nous accueillons ici dans nos locaux des entrepreneurs issus d'horizons très divers, qui viennent de la danse, qui viennent du spectacle vivant, qui viennent de la musique et aussi des médias. Et nous les aidons à construire et à structurer et à développer leurs projets. Voilà ce qu'on fait de manière très concrète. Ici chez Creatis, on existe depuis 2012. On est présent à la fois à Paris et à Bruxelles. Et depuis 2012, on a accueilli à peu près 200 projets qu'on a aidé comme ça à se structurer. Et on va justement en accueillir a priori une douzaine de nouveaux d'ici à début novembre, puisque nous venons de lancer un appel à candidature dédié justement précisément aux médias émergents. Donc si vous avez autour de vous ou si vous-même vous souhaitez lancer un nouveau média ou si vous portez un projet avec une ligne éditoriale forte, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site et à vous trouver toutes les informations pour postuler à cet appel à projet, donc sur le site residencecreatis.com. Et l'autre information que je voulais partager avec vous, c'est que vous êtes là ce soir et on vous en remercie. On fait très régulièrement ici des événements qui sont gratuits, qui sont ouverts au public. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire un tour sur l'agenda de notre site pour consulter toute la programmation événementielle à venir. Et pour terminer, donc, comme vous le voyez, cet événement va être capté en vidéo. On enregistre aussi l'audio et l'intégralité du débat sera disponible en audio sur les plateformes et les médias du mouvement UP. Donc le mouvement UP, c'est un cross-média dédié au journalisme de solution. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité de la soirée et des échanges sur ces espaces. Je vous souhaite une très bonne soirée et je passe la parole juste ici. Merci. Alors tout d'abord, déjà, on voulait vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette première soirée de la rentrée 2019. On commence un peu tard au Mouton, désolé, on n'est pas très réveillés en ce moment. Mais du coup, avant peut-être de présenter le Mouton, je voulais aussi bien évidemment remercier Creatis et remercier Anthony derrière la caméra quand même. Je pense qu'on ne le remercie pas assez. Donc, merci Anthony. Donc, le Mouton, en trois mots, bon, peut-être un peu plus, ça fait maintenant peut-être 3 ans qu'on existe, à peu près. Et en fait, on essaye d'apporter dans le débat public les bonnes questions sur le numérique et les nouvelles technologies. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais on va dire que les bonnes questions, c'est quand même pas ce qu'on entend souvent dans les médias. C'est-à-dire, on ne va pas vous parler de la course au progrès. On va éviter, malgré qu'on parle de la Startup Nation, mais on va y revenir. Et on va plutôt, enfin, le prisme qu'on essaye de prendre, c'est avec les sciences humaines, on va dire la socio, la philo, etc., de déconstruire un peu les sujets pour aborder tout ça d'un point de vue non pas technique, mais social, voilà, et d'essayer de voir les impacts que ça a sur la société. Donc on aborde quand même plein de sujets et donc concrètement ce qu'on fait, c'est qu'on organise des débats principalement, mais toutes sortes d'événements. Donc il y a des rencontres littéraires, des apéros philo, des ateliers, voilà. D'ailleurs on est ouvert aux contributions, donc si vous avez plein d'idées, vous pourriez venir nous voir à la fin de la conférence. Et donc ce soir, on a quand même un sujet un peu peut-être particulier dans notre programmation, parce que c'est un sujet un peu mainstream, la Startup Nation, on en entend beaucoup parler, peut-être un peu trop, on ne sait pas très bien ce que c'est quand même. Jusqu'à pas très longtemps, on entendait plutôt parler d'État-nation, pas du tout, enfin si, mais c'est pas ça que je voulais dire, je voulais parler d'État social, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc d'État social ou d'État-providence, par exemple. Donc c'est quand même des États qui mettent en place... Il y a toute une série de réglementations
Pour avoir des fonctions sociales, enfin pour permettre à l'État d'avoir des fonctions sociales auprès des citoyens. Il y a peut-être une définition aussi de l'État qui est plus restreinte, qui serait un État uniquement centré sur des fonctions de maintien de l'ordre ou de sécurité. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que la Certain Nation, qu'est-ce que c'est si on la traduit un peu là-dedans? Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes, je sais pas moi, de protection sociale, de services publics, de droit du travail, de régulation des politiques de l'emploi ou plus globalement de politique économique, budgétaire, monétaire, etc., etc. Donc, quand on regarde, mais ça, je pense que vous allez revenir longtemps dessus, un peu stricto sensus les termes, et qu'on se dit, bah, alors, qu'est-ce qu'une start-up ? Donc, je pense que vous avez tous un peu des images, donc je vais aller un peu dans les clichés parce qu'ils vont nous aider à aller un peu plus loin. Mais, peut-être pas, alors. Mais du coup, voilà, une start-up, a priori, c'est la jeune pousse, l'entreprise innovante, l'entreprise qui va disrupter un marché grâce à un super nouveau service numérique, un nouvel outil, qui va prendre un monopole. Mais c'est aussi quand même ces entreprises qui sont définies par leur fragilité, voire leur non-rentabilité. Donc c'est vrai que si on transpose ça à un État, on peut quand même se poser la question de ce que ça donne. On peut même se poser la question de la légitimité, peut-être, de la notion. On peut aussi se demander si c'est pas juste de la poudre de perlimpinpin. C'est bon, j'ai placé ma petite blague, je suis contente. En tout cas, vous avez compris, on va essayer de débroussailler un peu le sujet. Et donc pour ça, on est quand même très heureux d'accueillir. Donc là, je reprends mes notes parce que sinon, je vais dire des bêtises. Donc Antoine Gouritin, donc tu es créateur d'histoires sonores et essayiste. En 2018, après une expérience, du coup je lis, comme ça je ne fais pas d'erreur, dans une jeune pousse franco-américaine, tu crées Disruption Protestante, qui est un podcast qui donne la parole à des entrepreneurs, des universitaires et des associations, et qui porte un discours critique sur le développement et l'économie numérique. Et surtout, quand même si tu es là ce soir, c'est que tu viens de sortir le livre Le Startupisme. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il sera possible de l'acheter à la fin du débat. Voilà. Et donc, pour échanger avec toi, il y a Abeline Majorel. Donc, Abeline, tu es actuellement responsable des actions mutualisées d'incubation au sein de l'Institut Mintelecom. Et avant, tu as été consultante en stratégie digitale, responsable pédagogique, enseignement fondamentaux et e-business à l'EEMI. Et donc, journaliste culturelle et fondatrice de la start-up chronique.es. Et voilà. Et donc, tu es aussi à côté auteur d'essais et de fiction, même si tu n'as peut-être pas beaucoup en parler, malheureusement, ce soir. Et donc, juste pour rappeler le format, donc, le tout va être animé par Irénée, donc, qui est là, cofondateur du Mouton, avec moi-même. Et donc, ça sera en gros 50 minutes d'échange. Après, on va vous laisser la parole pendant 30-40 minutes à peu près. Et ensuite, il y aura un petit pot pour continuer la discussion de manière informelle. Et donc, ce sera l'occasion d'acheter des petits livres. Voilà. Qui seront un petit peu dédicacés. Ouais. Donc, je vous laisse la parole. Bonne soirée. Merci beaucoup, Yaël. Alors, je suis vraiment désolé, il va y avoir une troisième introduction. Je vais essayer de faire très court, c'est toujours comme ça. Et puis ensuite, ils pourront parler, parce que vous êtes quand même venus les voir. Alors, moi, je tenais à vous remercier quand même d'être venus, parce que je sais que la journée a été assez chargée. Moi, j'ai couru partout, et avec beaucoup d'émotion, parce que c'est Armageddon aujourd'hui. Ce matin, une usine qui explose à Rouen, quand même. Deuxième annonce de la journée, Céline Dion, qui dit qu'elle sera là aux Vieilles Charrues en 2020, quand même. C'est pas rien. Et puis, évidemment, on pouvait pas ne pas en parler. Jacques Chirac est mort. Hein, comme a titré Le Monde très sobrement. Du coup, je ne pouvais pas non plus éviter d'aller choper sur Internet quelques petites phrases qu'il a pu dire au cours de sa vie. Peut-être en essayant de faire un parallèle avec Macron en me disant que c'était vraiment mieux avec Chirac, c'était plus profond, puis bon, en fait, pas forcément. J'ai essayé quoi ? Ouais. Bah, la plus célèbre, c'est Sarkozy. Il faut lui marcher dessus, mais du pied gauche. Ah oui, celle-là, ouais, je l'ai vue, mais alors elle était moins en contexte. Mais oui, elle était drôle. Non, mais j'en ai. Alors, il y a. Marcher sur Macron Je sais pas. Je pense que c'est un peu anachronique, mais elle aurait marché. Alors, elle a quand même une belle, c'est aucune civilisation n'a duré quand elle acceptait la fracture sociale des exclus. C'est beau quand même, ça nous change des gens qui ne sont rien dans les gares. Alors il a dit l'inverse à d'autres moments, bien sûr. Le fameux « un chef, c'est fait pour cheffer », c'est quand même génial ça. Et puis, comme tous les hommes politiques, il avait ses petites contradictions, pour dire un jour « les grandes décisions ne peuvent être prises contre un peuple » et le lendemain « le pouvoir ne se partage pas ».
Il faudrait choisir. Et puis enfin, sur l'entrepreneuriat, une communauté se reconnaît dans les plus entreprenants et les plus inventifs d'entre les siens. Donc là, on sent pointer le truc un petit peu Startup Nation qui arrive et du coup qui est repris quelques années après par notre nouveau président Emmanuel Macron qui, en 2017, donc la formule vient de là, c'était un discours à Vivatech, donc Vivatech, le salon des entreprises européens, pardon. Mais vas-y, il faut parler dans le micro, Abeline. Non, je disais Jacques Chirac et Startup Nation, il y a comme un bug. Il y a comme un bug, ouais. Mais bon, c'est... This is not a method, this is provocation. Exactement. Et donc, il disait, lors de ce discours, devant un parterre de tous ces entrepreneurs super heureux d'être là, que la France allait se transformer en Startup Nation, donc, c'est-à-dire une nation qui, à la fois, accompagne les startups dans leur désir de croissance, mais qui bouge aussi, comme une start-up, ce qui pose justement la question de bah, c'est quoi le modèle start-up et est-ce qu'il s'applique à l'État. Alors, dans la besace de tous les entrepreneurs qui étaient là, de nombreux défis sociétaux à relever, comme par exemple le grand âge, qu'on va pouvoir régler grâce à la silver economy, le diagnostic à distance, les gens qui bossent dans les EHPAD pourront en témoigner, l'écologie, puisque évidemment la transition numérique est totalement compatible avec la transition climatique, la démocratie, puisque plus personne ne vote, tout le monde s'en fout, on est dans des bulles de filtre en permanence, mais heureusement il y a les civic tech, et puis la sécurité, mon préféré, où la France doit viser l'excellence, même si on ne sait pas si c'est le modèle d'Estrosi qui va gagner ou pas. Donc tout ça est très, très caricatural, évidemment, mais tout ça est aussi dans son discours. Donc c'est fait exprès, vous inquiétez pas. Et en face de ça, puisque le discours a quand même fait son petit effet, on a eu toute une série de critiques qui se sont animées au cours des dernières années, avec, je ne suis pas trop remonté loin, mais il y a 4-5 ans, un bouquin de Nicolas Mainviel, donc directeur du master à Audencia, donc Dieu sait s'il parle depuis l'intérieur du réacteur, qui disait que, en gros, les start-upers étaient quand même souvent des fils à papa. Puis Mathilde Ramadier, avec la BD « Bienvenue dans le nouveau monde, comment j'ai survécu à la coolitude des startups », qui explique que la novlangue, le langage des startups, est destiné à dissimuler la loi de la jungle sous une brume de cool. On plante le clou en 2017, j'ai bientôt fini, avec The Economist qui disait que 19% des start-upers n'étaient pas vraiment heureux dans leur boîte. Surprise. Et puis, même année, sort le livre Startup Nation, arrêtons la mascarade, de Nicolas Menet et Benjamin Zimmer, qui parlent notamment des modes de financement de la BPI. Et puis, évidemment, pour terminer, chapeauter le tout et légitimer ce combat ô combien légitime, le fantasme technologique et économique de la Startup Nation, le startupisme, par Antoine Gouritin, ici présent. Donc je reviens à vous. Désolé, c'était long. Moi, je voulais commencer justement après cette petite introduction avec toi, Abeline, avec une question toute simple. Je viens de dresser un portrait qui est explicitement très binaire. Est-ce que tu te retrouves justement dans cette vision-là? Et est-ce que tu penses que toutes ces critiques, elles arrivent un peu en fin de course et qu'on atteint la fin d'un cycle, en fait? Bon, alors déjà, en fait, par excellence, j'ai du mal à me retrouver dans des visions binaires. Pourtant, Dieu sait que je le suis, mais... C'est difficile en fait de se positionner pour une bonne et simple raison, c'est que dans Startup Nation, il y a nation. Nation ne veut pas dire État. C'est pas la même chose. Donc du coup, positionner en fait l'idée de Startup Nation comme étant en fait une position d'État me semble très compliqué. C'est, enfin voilà. Bon, après effectivement, la France est un État-nation, etc. Et comme le dit Antoine, l'idée de Startup Nation est fondée sur la vision d'Israël qui est la Startup Nation par excellence, voilà, et qui pose aussi un problème de nation. En fait, ça pose systématiquement un problème de qui se reconnaît dans la communauté nationale de la start-up. Voilà. Alors justement, on va zapper l'autre question, ouais. Mais j'en profite. Antoine, tu décris assez longuement, je pense qu'on va commencer peut-être par définir un peu les termes du débat, dans ton bouquin, l'origine de la Startup Nation. Donc Israël, effectivement, ça vient d'où? C'est quoi? Explique-nous comment ça marche. Alors Israël, c'est intéressant parce que ça a été créé aussi forcément de zéro. C'est ça aussi qui est intéressant dans cette idée d'importer des modèles. C'est que souvent, c'est des modèles où c'est des gens qui sont partis de zéro. L'Estonie, qui est beaucoup plus petit, c'est pareil. Ils sont partis de zéro. Israël, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ils ont eu besoin de créer des infrastructures, plein de choses. Donc, ils ne sont pas allés billes en tête dans les startups tout de suite. Mais ils se sont rendus compte qu'il leur fallait quelque chose pour faire une différence économiquement. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils avaient besoin
de développer des services, des outils dont ils avaient besoin, eux, avec toutes les circonstances qu'on connaît, qui sont difficiles, avec un pays qui est quasiment tout le temps en guerre, avec les problèmes géopolitiques qu'on connaît. Et puis surtout, ce que je disais tout à l'heure, ils partaient de rien. Ils partaient quasiment de rien. Et donc, il y a beaucoup de boîtes qui se sont montées à partir des années, surtout à partir des années 80-90, et ils sont beaucoup basés sur, enfin plutôt 90, basés beaucoup sur l'armée. Au départ, c'est pour ça que les boîtes qu'on connaît en général sont plutôt des boîtes dans la cybersécurité, mais il y en a dans plein d'autres domaines. J'ai discuté justement ce matin avec quelqu'un qui en revient. Pardon ? Oui, il y en a plein, il y a plein d'autres. Et je discutais ce matin avec quelqu'un qui en revient et qui me disait, et ça c'est important aussi je pense pour le débat, on entend beaucoup parler de lutte pour notre souveraineté et une lutte économique où il faut aller faire des grosses startups. C'était l'argument de la semaine dernière des annonces d'Emmanuel Macron. Il faut aller vite, il faut faire des géants économiques et c'est une guerre économique qu'on mène là-dessus. Et donc quelqu'un me disait, j'en ai parlé aux Israéliens et ça les fait marrer. Parce que, en fait, eux, le modèle, c'est pas du tout celui qu'on essaye de nous vendre, qui, à mon avis, c'est plutôt une importation américaine, on pourra en parler, de financement. Ou en Israël, eux, là, ils sont en train de dire, non, en fait, on fait des produits dont on a besoin chez nous, et quand ça marche, on les vend à l'étranger, on fait plein d'argent, et voilà. Mais alors, pourquoi on prend ce modèle ? Vas-y. Mais après, le modèle israélien, il est aussi fondé sur... C'est ce qu'on oublie tout le temps, en fait, quand on parle start-up. On parle start-up en pensant station F. On pense la start-up, donc pour faire caricatural, ma préférée en ce moment étant Trône, que je vous conseille d'aller voir. Qu'est-ce qu'ils font chez Trône ? Raconte-nous. Devine. Quand même. Ouais, moi, je sais, mais il faut le dire. Mais toi, tu sais. Mais... Donc, ils font des toilettes personnalisables avec votre smartphone. Vous pouvez projeter des images dessus. C'est fantastique. Voilà. Je les aime beaucoup. Ils ont levé 1 million d'euros. C'est bien. Oui. Non, mais ce qu'on oublie, en fait, quand on définit les startups, on les définit souvent comme ça, en fait. Mais ça n'est pas ça. Et très clairement, en Israël, ça n'est pas ça. Le modèle d'une startup, en fait, c'est une montée en TRL de Technology Readiness Level à partir de ce qu'on appelle une spin-off, c'est-à-dire un laboratoire qui a fait des recherches où on va améliorer une technologie. Et cette technologie-là, quand elle va être suffisamment améliorée, etc., on va lui trouver un marché. Voilà. Et on ne va pas lui trouver un marché pour lui trouver un marché, mais parce qu'en fait, le but de la recherche, c'est d'améliorer un produit, une vision, un usage, etc. Enfin, voilà. Donc, ce qu'on oublie, en fait, sur Israël et la Startup Nation, c'est, en fait, une recherche technologique extrêmement forte. Voilà, qui crée des produits technologiques extrêmement forts et qui est effectivement extrêmement financé par l'armée d'une part, mais en fait vous ne pouvez pas avoir les Américains c'est le même modèle, c'est tout le monde le même modèle, l'armée finance majoritairement les innovations technologiques lourdes, sachant que quand même on n'a pas changé de modèle technologique depuis 75 ans. Voilà. Antoine, tu voulais réagir, mais justement, ouais. J'ai une question de transition. Pourquoi, si les modèles sont si différents, on a l'impression qu'on est plus sur du court terme, sur un manque de stratégie, trouver des marchés coûte que coûte, qu'est-ce qui justifie justement l'importation de ce modèle avec cette déviation finalement d'un modèle à l'autre où on ne fait pas du tout ce qui était prévu à la base ? C'est une bonne question. En plus, c'est pour ça que je voulais te relancer aussi là-dessus. J'ai l'impression, on en parlait un petit peu en préparant le débat, j'ai l'impression que nous, on est beaucoup, quand on nous vend la Startup Nation, on est beaucoup sur des produits où il y a quasiment pas de technologie, il n'y a pas de recherche dedans, c'est des outils de digitalisation de services RH, de paye, de choses comme ça. Dans le Next 40 de la semaine dernière, j'ai regardé, il y a très peu de boîtes technologiques. Alors le Next 40 qui est... Le Next 40 donc, qui a été annoncé la semaine dernière, qui est censé être les 40 start-up ou boîtes technologiques, parce que est-ce que c'est tous des start-up ou... Bon, c'est peut-être à réfléchir. Ça se discute. Ça se discute. Donc ils sont censés être les
40 boîtes qui sont les futurs champions français sur la scène technologique. Et finalement, il n'y a pas énormément de technologie dans ces boîtes-là. Alors, ça dépend ce que tu appelles technologie. Puis, enfin, bon, le modèle en fait israélien, c'est aussi donc cette montée en TRL, la technologie, etc. Et derrière, la force d'Israël, c'est d'attirer des capitaux étrangers. Voilà. Donc, en fait, ils ont des gros fonds étrangers qui vont miser dessus, ce qui fait que derrière, l'internationalisation de ton produit n'est pas compliquée. Voilà. À l'inverse, pourquoi on mise aussi sur la Startup Nation en France, c'est la suite de ce qu'on a fait avec l'économie de la connaissance, l'économie servicielle, etc. C'est-à-dire le fait que la France, comme beaucoup de pays européens, s'est désindustrialisée et a misé sur son économie de la connaissance parce que effectivement, une excellence de la recherche, une excellence technologique, etc. Et c'est dit que dans la suite, en fait, ben c'est la suite logique en fait de ça, c'est l'application, on va dire, start-up. Après, la difficulté française, c'est que nous, attirer les fonds internationaux, c'est pas notre spécialité. Nous, on a une spécialité pour, j'ai envie de dire, Louis XIV. On fait les ateliers nationaux et on finance par l'État. Voilà. Mais la start-up en soi, ça ne veut rien dire. Toutes les boîtes, au début, cherchent leur modèle économique et sont fragiles. Donc, définir la start-up en disant une start-up, c'est un modèle économique qui n'est pas viable, qui est fragile, etc. Bah, comme toute chose qui se lance, c'est fragile et ça cherche son modèle. Voilà. Alors justement, quand bien même on serait capable de faire comme Israël, est-ce que ce serait forcément souhaitable? Ça, c'est une première question. Et pour toi, Antoine, tu relis quand même tout le fil conducteur, la colonne vertébrale de ton ouvrage, revient à relier cette mode, entre guillemets, du start-upisme avec, en gros, l'idéologie des années 80, Thatcher, Reagan, etc., et le solutionnisme technologique de Morozov. Tu peux nous parler de ça un peu? Oui, parce qu'on a l'impression, et ça encore, c'est la question que tu posais en premier, j'ai pas répondu. Soit il y a les critiques, ceux qui suivent la Startup Nation, Macron, etc., soit les critiques. Je pense qu'il y a surtout une troisième voie de gens qui sont dans ce milieu-là et qui font pas de vagues et qui suivent sans... mais qui sont pas dupes. Voilà, moi, j'en rencontre beaucoup. Ils sont pas dupes, mais bon, faut aller avec ça. Pour revenir au solutionnisme, on voit beaucoup, dans le bouquin j'essaie de prendre des exemples souvent américains, parce que c'est des choses qui sont déjà faites et qu'on peut voir, et je prends l'exemple de Uber par exemple, mais il y en a plein d'autres. C'est ce modèle start-up où faut aller vite, dépenser énormément d'argent en marketing pour devenir incontournable, et sur des fois des produits qui arrivent de réflexions qui sont pas forcément des réflexions comment dire pour tout le monde, enfin, pour toute la société. C'est ça que j'essaie de te montrer. Celui d'Uber est intéressant, où au départ, c'est juste quelqu'un qui en avait marre d'attendre un taxi à San Francisco pour aller de meeting en meeting avec des fonds d'investissement pour son projet en cours, et qui s'est retrouvé à dire, tiens, comment on pourrait faire, et qui s'est retrouvé d'abord en appelant plusieurs sociétés de taxi, et puis il prenait le premier qui arrivait, et finalement il s'est dit, bah ouais, mais j'ai été blacklisté de tout le monde parce qu'il trouve que quand même c'est pas top, il a eu l'idée d'Uber. Il décommandait les autres, en fait. Voilà, c'est ça. Bon, même pas, en fait, il se pointait, il était déjà parti, quoi. Et puis parce que depuis, on sait que c'est un vrai connard. Alors c'était l'autre, ouais. Et l'autre était un vrai connard, ouais. Mais du coup, là, ça rejoint quand même beaucoup ce discours d'Emmanuel Macron où on a un entrepreneur qui est un peu au centre du game, quoi, et c'est qui ça. Va avec... Pardon, c'est sorti comme ça. C'est la novlangue de la Startup Nation. Et qui va, grâce à sa fulgurance, son idée, pouvoir résoudre un problème pour tout le monde, quoi. Mais pas du tout, en fait. Bah, ça reste à prouver, à mon avis. Il y a des pareil, dans les boîtes d'une excellente, il y a des choses intéressantes. S'il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, il y a des choses intéressantes, mais en vantant ce modèle là on passe aussi à côté de choses qui sont beaucoup plus intéressantes et plus viables et qui sont pas forcément parties dans le mythe, avec des levées de fonds et choses comme ça. Je donne quelques exemples dans le livre, mais il y en a plein, et comme tu disais, il y a des projets qui
qui sont des projets qui ont du numérique dedans, mais que c'était juste des boîtes qui cherchent leur modèle et qui essayent de faire des choses correctement. Alors justement, ces boîtes dont on ne parle pas, en fait, qui ont besoin d'investissements lourds sur du temps, vous pouvez donner des exemples, justement, pour qu'on voit un petit peu ce que c'est ? Ouais, t'en as plein, mais si on prend un exemple typique qui est DC Brain, par exemple, qui est une des grosses start-up sur l'intelligence artificielle, qui est issue de spin-off, qui demande en fait, parce que quand on dit il y a de la technologie dedans, mais pas trop, enfin voilà. Bon, dès que tu commences à avoir un jeu de données qui va être extrêmement important, des masses extrêmement importantes, etc., en fait, l'air de rien, la techno de base, l'algorithme de base, elle n'est pas énorme, mais ton DSI derrière, ça va être très costaud. Il va te falloir je ne sais combien de thèses chiffres pour mettre en place ton algorithmie au fur et à mesure. Donc, si en fait, il y a de la techno dedans. Voilà. Si tu regardes bien, l'algorithme de Facebook, c'est pas... Enfin, voilà, mais oui, il y a de la techno dedans, en fait. Bon. Après, qu'est-ce qu'on appelle techno ? Voilà. Ça, c'est une vraie question parce que, par exemple, tu as un exemple typique, par exemple, en France, qui est celui de Glass Valley, qui est donc tout un écosystème autour du verre d'art, qui est extrêmement porteur en termes de recherche, de technologie sur le matériel, etc., parce que... Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais la faïence, ça cuit à certaines températures, pas à d'autres. Si jamais vous la faites cuire trop, en fait, elle devient bleue. Enfin, bon, bref, c'est très compliqué. C'est en fait une excellence technologique et on est leader mondial dessus avec plusieurs artisans, etc., qui tournent autour dans un système, en fait, assez vertueux. Voilà. Et là, tu as de la techno. Mais est-ce que c'est de la techno ? La techno, c'est pas que numérique. C'est pas du digital, quoi. C'est pas forcément. Tout n'est pas avec les doigts. Mmh. Voilà. C'est ça. Et est-ce que c'est pas plus dur aussi de financer ce genre de projet ? Qui sont loin. Ce qui est trop bien quand on invite des journalistes et qu'ils posent des questions eux-mêmes, en fait, c'est super. C'est beaucoup plus dur parce que quand. Moi, je vais prendre l'exemple. Donc, DC Brain, par exemple, c'est aussi une très très lourde techno en IA avec énormément de jeux de données, etc. Pour avoir leur premier client, ils avaient des vraies difficultés pour faire sortir les jeux de données, etc. C'est la recherche française qui les a aidés avec des plateformes dont je peux parler, puisque elles sont chez nous, comme Terra Lab, qui permet en fait de faire des expérimentations sur des jeux de données sans les sortir et en les anonymisant, etc. Enfin, voilà, c'est en fait la puissance de la recherche française qui leur permet de se développer. Ce que derrière, évidemment, ils remercient en taxes d'apprentissage, etc. Enfin, voilà. Évidemment, quand tu vas développer, tu as des développements, par exemple, d'une start-up qui s'appelle ICO, qui est dans le sud et qui développe des trucs pour les piles à hydrogène. Voilà. Bon, développer des matériaux, ça coûte un demi-bras, ça ne rentre même pas dans les levées de fonds parce qu'en fait, ton ticket de départ, c'est de 500 000, quoi qu'il se passe. Voilà. Donc ces startups-là qui en fait sont des startups qui en fait deviennent leader mondial comme on l'a dans la plasturgie, où on est leader mondial avec des ETI. Voilà. C'est-à-dire pas du tout des startups. Des entreprises de taille intermédiaire. Précis. Voilà. C'est pas du tout des startups avec une croissance extraordinaire, etc. Par contre, on est leader mondial. Alors pourtant, derrière le mythe de la Startup Nation, tu as quand même... ça, c'est la partie dont on parle pas ou trop peu, malheureusement, dans le mythe, ou en tout cas dans la surface médiatique qu'on voit. Et puis l'autre mythe, c'est ça fait énormément de croissance, ça fait énormément d'emplois. Éventuellement, même si c'est inclusif, tu as beaucoup écrit là-dessus dans ton livre. Tu peux nous parler justement un peu des quelques chiffres justement sur la réalité de la Startup Nation en fait. Ouais, alors c'est compliqué justement parce que qu'est-ce qu'est une startup, le numérique startup, être en boîte d'entreprise de service, c'est compliqué. Moi, j'ai regardé un petit peu les chiffres dans les métropoles, alors à l'ouest parce que moi c'est là que je regarde le plus souvent. Ouais, mais Nantes, c'est et voilà parce que c'est Nantes un gros pôle. Hein. Nantes, c'est intéressant.
parce que c'est, ils se revendiquent aussi beaucoup. Enfin, ils font beaucoup de com autour de ça. Je raconte dans le bouquin qu'ils ont fait des, comme c'est bientôt les municipales, et ils ont fait un sondage pour savoir ce qui intéressait les Nantais dans tous les sujets qui touchaient à la vie à Nantes et l'innovation, les startups, tout ça, c'était tout en bas en fait. Ça intéressait pas grand monde. Et quand on voit la communication qui est faite à Nantes autour de ces scènes-là, il y a une dissymétrie assez, assez intéressante. En termes d'emploi, c'est dans ce qui est revendiqué start-up, après on peut en discuter, parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de monde dans le numérique en général. C'est environ 2000 personnes à Rennes et à Nantes, vraiment dans des start-up. Donc pour donner un ordre d'idée, à Nantes, c'est 0,7 ou 0,8% de l'emploi sur la métropole. Après, le numérique, évidemment, c'est beaucoup plus large. Il y a beaucoup d'autres jobs, puis ça compte pas la recherche, ça compte pas tout ça. Oui, mais en fait, c'est ça le problème. C'est que quand tu veux voir le poids économique des start-up et donc voir, en fait, le nombre d'emplois, qu'est-ce que ça crée, etc., enfin, voilà, dedans, en fait, il te faudrait inclure toutes les actions d'incubation, l'intégralité des employés de la BPI, l'intégralité de la Caisse des dépôts et consignations. Tu vas rajouter tous les fonds, évidemment. Tu rajoutes toutes les... merveilleuses boîtes de conseils qui vont faire du conseil digital dessus, etc., en allant sourcer les startups. Ouais, après, elles bossent rarement avec les startups, les boîtes de conseils, quand même, quelques-unes. Mais elles, c'est si, plus, c'est elles vont sourcer, elles vont, enfin voilà, si, si, de plus en plus, en plus. Voilà. Et d'un coup, là, la masse, elle devient importante. Après, le principe de la startup, c'est que c'est le principe d'une entreprise, c'est-à-dire tu commences au départ, tu n'as personne. Donc évidemment, tu ne vas pas créer de l'emploi du jour au lendemain, ça c'est le point 1. Et il est vrai que la digitalisation des processus, les processus agiles, etc., fait que tu fais des équipes de plus en plus réduites, avec une productivité de plus en plus grande, mais ce qui est le principe, en fait, pas tellement des start-up, mais de l'évolution technologique depuis les années 80, quoi. Voilà. Donc tu peux pas décemment sur ce genre de modèle économique, ce genre de modèle industriel, si on peut l'appeler comme ça, prétendre à une vraie augmentation des emplois, étant donné que a priori ça, par définition, c'est quelque chose qui va automatiser, quoi. Bah ouais. Enfin, c'est compliqué. Enfin, toutes les chaînes industrielles, on les automatise quand on parle de start-up, on voit toujours en fait les start-up qui sont en B2C. Mais en fait, il y en a énormément qui sont en B2B, qui travaillent justement avec les industriels, l'industrialisation de la chaîne de production, etc. Enfin, voilà. Le principe, c'est quand même d'essayer de réduire les coûts. Et évidemment, on sait tous que quand une entreprise, même grand groupe, enfin voilà, etc., réduit les coûts, la première chose qu'elle fait, c'est réduire les effectifs. Je peux, pour le côté emploi plus généralement numérique, je peux te donner quelques chiffres de l'année dernière, du coup cette fois-ci sur Rennes. Donc l'agence d'urbanisme de Rennes disait 880 nouveaux emplois sur l'année à Rennes dans le numérique. Donc là-dedans, il y a un peu plus de 500 dans des entreprises de services, et donc notamment Orange, parce qu'on a un énorme centre de recherche d'Orange, qui est au moins 200 ou 300, quasiment la moitié des emplois de services, je pense, là-dedans, a priori, des chiffres que j'ai vus. Alors après, je ne sais pas s'ils comptent justement tout le reste de l'écosystème, BPI, tout ça, je ne sais pas s'ils sont comptés dedans. Je ne pense pas, mais ça fait 880 et ça fait à peu près, je crois que c'est à peu près 10% des nouveaux emplois sur la métropole dans l'année. Après, tu peux prendre un contre-exemple, hein. Typiquement, Chalon sur, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, c'est un trou paumé là, au milieu de la France. excusez-moi, hein, ça... Mais j'en viens dans le trou paumé, donc je peux le dire. Les emplois du numérique, c'est extrêmement fort parce qu'ils ont un entrepôt Amazon. Ouais. Et est-ce que pour autant, Amazon, par exemple, est un des plus gros employeurs dans le numérique, est-ce que pour autant, on a envie d'être employé chez Amazon, quoi ? Oui, c'est sûr qu'il y a tout un tas de questions qui se posent derrière ça. Après, encore une fois, la BPI, il faut voir que ça fonctionne aussi avec de l'argent public. Donc, quelque part, si tu voulais vraiment compter, il faudrait le déduire pour voir ce qui est dépensé ou pas. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans ces villes et ces campagnes, on a beaucoup d'élus qui commencent à s'intéresser aux startups, à faire monter des hubs, des incubateurs, etc. Et Antoine, tu avais... Alors, c'était pas dans ton bouquin, je crois que c'était dans un des podcasts. Tu soulignais justement l'excès de zèle de la France, notamment au CES, qui en faisait des caisses
vitesse pour aller plus vite que les autres et qui finalement... Ouais, j'étais très vexée. Ah bon ? Ouais, parce que j'y étais l'année dernière, j'ai très mal pris. Enfin, et ça, est-ce que ça ressemble à ce que tu as vu ou pas ? C'était pire en fait. Ah, voilà. Tu nous racontes du coup ? Ouais, ouais, bah, c'est toujours assez drôle de suivre le CES d'ici, sans y être. Tu me diras ce que tu en penses après, ce que tu as vu là-bas. On entend toujours la communication, c'est toujours de la première semaine de janvier, toujours la communication en France. On est la première ou deuxième nation avec le plus de start-up, même la première, je pense. Hein. Ouais, la première derrière les États-Unis, non ? Ouais. Non, on était même devant les États-Unis l'année dernière. Maintenant, on doit arriver à quoi ? 350 startups ? L'année dernière, on était à 350. Ouais, c'est ça. Ils sont dans l'endroit... donc le CES, c'est immense, a priori. Il y a plusieurs endroits, plusieurs halls de conférences, dont un... Enfin, hall de congrès, d'exposition, pardon. Un qui est consacré aux startups. C'est ça. Donc ça devait faire un tiers des stades du truc des startups où il y avait des Français. C'est Eureka Park. Et en fait, t'as plusieurs rôles dédiés aux startups, etc. Mais Eureka Park est celui qui est dédié aux émergents, etc. Enfin voilà. Et en fait, pour être clair, tu rentrais dans Eureka Park et la première chose que tu voyais, c'était la French Tech. Voilà. Et t'avais un hall entier. À Las Vegas, ouais, c'est ça. Avec pas mal de boîtes qui sont pas le CES normalement c'est pour les produits les produits électroniques grand public, c'est le nom du salon, ou alors les produits qui peuvent servir à les fabriquer, en gros les sous-traitants, mais vraiment c'est un premier niveau. Il y a pas mal de boîtes qu'on envoie parce que c'est technologique et que souvent c'est les régions qui payent pour les envoyer, et ça fait de la com, et eux après c'est toujours très drôle de suivre le CES sur Twitter parce que un tel est content de montrer qu'à Las Vegas, il a rencontré la présidente de région ou le patron. Alors, il y a deux ans, c'était les présidents de région et les grands capitaines d'industrie, notamment Carlos Ghosn. Alors, cette année, il y en a eu très peu de présidents de région et dernière, pas Carlos y avait, Ghosn. Mais... Il y avait énormément de startups, ils avaient tout mis. Hein. Ils avaient, enfin, vraiment, en plus, on en avait une qui était super, qui s'appelait Mixology, qui faisait un barman automatisé. Franchement, c'était très bien. Ça nous a réjoui le CES. C'est vrai. C'était la première start-up que tu voyais française. Un truc avec de l'alcool, quoi. C'est... Alors, ce qui pose problème à l'extérieur, c'est qu'on a l'impression justement que c'est un peu la foire à n'importe quoi. Ouais, mais l'année dernière, ça ne sert pas forcément le discours à l'extérieur. Je suis d'accord, mais l'année dernière, en fait, ce qui était pire, c'est que comme tu avais le mouvement Gilets jaunes, en fait, on a envoyé toutes les start-up parce qu'on avait payé. Mais toutes les délégations de ministres, etc., ils ont tous annulé la dernière minute. Alors du coup, il y avait le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui était sur une tablette, qui se passait, il faisait un selfie avec la tablette quand même. Ouais, c'était bien. Moi, j'ai un Moulfi. Enfin, c'est un selfie avec Mounir, tu vois. Ah ouais, je l'ai fait. Bah ouais, attends. Non mais par contre voilà, le problème c'est que c'est Olivier Zrati qui est un des spécialistes du CES qui m'avait dit ça peut à terme desservir aussi l'image de la France à l'étranger parce qu'on a l'impression que c'est la foire un peu à n'importe quoi et que ça va finir par ressembler à toutes les petites PME chinoises qui viennent exposer leur petit truc à la con là, et du coup on a l'impression que les Chinois font n'importe quoi et viennent avec beaucoup de choses. Et j'ai même l'impression que les Chinois, parce que en fait on arrive quand même assez bien à montrer au moins une chose qui n'est peut-être pas l'excellence de nos startups, mais l'art de vivre français. Voilà. Parce que au CES, on fait franchement les meilleurs apéros, les meilleurs, tu vois, le buffet, etc. C'est franchement sur les stands français. Entre français ? Non, franchement, on est ouvert. On ne parle pas anglais. Mais on est ouvert. Alors du coup j'enchaîne, hein, parce que on est dans les anecdotes, c'est très bien. Il y aura un pot après, je sens que ça a donné envie à tout le monde. Là. Moi ça m'a donné envie de boire un coup après. Moi j'ai aussi tout un tas de questions sur la façon dont sont financées les startups. Et là vous aurez justement des choses intéressantes à nous dire, puisque vous avez tous les deux, vous êtes tous les deux, pas d'un côté, mais vous avez une vue tous les deux sur les choses. Dans ton livre, toi, Antoine, tu as une critique assez forte, en fait, assez virulente de ce modèle de fake it until you make it, où on lève des fonds pour des entreprises qui peut-être donneront quelque chose ou pas, et ça donne lieu à des scandales
dont Suite Terranos. Moi, j'aimerais bien que tu en parles parce que je suis pas sûr que tout le monde connaît. Et ça ouais, c'est peut-être le plus emblématique, Terranos. Alors, ça peut-être en train de changer, on en parlera tout à l'heure. Même Challenge a fait un article aujourd'hui en disant que l'hypercroissance, c'était peut-être pas, il y avait peut-être pas que ça à pouvoir faire dans les startups. Ça bouge. Ça, c'est parce que Macron a dit que le capitalisme était mort. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Terranos, donc Terranos, c'est une boîte qui s'est lancée. C'est une vieille. En fait, quand le scandale a commencé, c'est une boîte qui avait déjà une dizaine d'années. Donc elle s'appelait Elizabeth Holmes, le petit génie. C'est ton idole. Elle porte le col roulé et noir comme personne. Elle a fait comme Zuckerberg, elle a arrêté ses études au bout de quelques semestres parce qu'elle n'avait pas besoin de ça. Et elle s'est dit, elle n'avait aucune expérience en médecine et elle a voulu monter la boîte qui allait révolutionner la médecine, donc qui s'appelle Terranos. Et l'idée, comme souvent, elle partait d'une expérience personnelle, une petite anecdote, une petite histoire qu'elle racontait dans tous ses TED Talks et compagnie, où elle racontait que quand elle était gamine, elle avait peur des prises de sang. Donc ça, je pense qu'on est beaucoup à pouvoir s'identifier à ça. Et elle s'est dit que ce serait quand même vachement bien d'avoir juste un petit prélèvement sur le pouce, par exemple, juste avec une goutte de sang, avoir la plupart des tests qui sont importants. Voilà. Et ça partait. L'argument commercial, c'était de se dire. C'était de se dire que la santé aux États-Unis ça coûte cher, les prises de sang ça coûte cher, et que si on pouvait réduire le coût en faisant juste un petit prélèvement et dessus on faisait plein de tests, ce serait vachement bien parce que ça coûterait moins cher et qu'on pourrait avoir le monopole. C'est l'idée, c'était d'avoir le monopole et de dégager tous les laboratoires qui sont là depuis des années. Je crois qu'il y a surtout deux grands groupes de labos aux États-Unis, donc l'idée c'était de remplacer tout ça. Le seul petit problème qu'elle n'avait pas vu, n'ayant pas vraiment d'entraîne de carrière scientifique, c'est que scientifiquement c'était pas possible. Mais dans ces cas-là, dans le milieu start-up, on dit ceux qui te disent que c'est pas possible, c'est qu'en fait ils veulent t'empêcher de changer le monde et en fait c'est que des gens toxiques. Et donc elle a continué dans son idée et pendant longtemps ça n'a pas décollé. Et puis, arrivé en 2012, 2013, 2014, il y a commencé à avoir cette mode de la licorne avec des entreprises ultra valorisée et qui levait beaucoup de fonds. Et elle s'est dit, je suis pas vraiment une start-up, mais elle s'est vendue comme une start-up alors que c'était une boîte biomédecine. Et elle est rentrée dans le jeu des levées de fonds, de l'hypercroissance, etc. Elle a raconté sa belle histoire partout, notamment sur dans les médias. Il y a plein de journaux tout à fait sérieux qui sont tombés dans le panneau. Sauf qu'elle avait rien derrière, elle avait absolument rien. Mais qu'au bout d'un moment, il faut montrer quelque chose. Donc ils ont fait croire qu'ils faisaient des tests sur leur technologie alors que en fait non, ils renvoyaient des tests qui étaient pas bons à des patients, et derrière les médecins prenaient des décisions sur ces tests-là. Enfin, il n'y a pas eu de mort, mais c'est pas passé loin. Et ça s'est mal fini. Il y a un procès l'année prochaine. Ça s'est mal fini. On ne sait pas encore. On n'a pas le jugement. Ah oui, enfin ça s'est mal fini en tout cas pour Terranos qui n'existe plus. Et du coup, ce genre de modèle aujourd'hui, Abline, toi qui travaille dans des incubateurs, qui connais bien les startups, est-ce qu'ils nous guettent en Europe? Est-ce que cette quête, justement, tu parlais tout à l'heure des financements massifs? Alors déjà sur la santé, non. Ouais. Ça, je te le dis tout de suite parce que le domaine de la santé en Europe, il est extrêmement réglementé. Et franchement, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui monte une startup, c'est ne va pas dans le domaine de la santé. Voilà. Entre le nombre de réglementations qu'il y a, le montant d'investissement qu'il faut, etc. Enfin voilà, c'est mort, laisse tomber. Cet exemple-là, il est toujours extrêmement parlant. Il y a HomeJoy aussi qui est dans le même genre. Ouais, il y a Uber aussi. Hein. Il y en a plein. Et si tu regardes en fait le fake it until you make it, Amazon Mechanical Turk, c'est l'exemple type quoi. Mais moi, à chaque fois que j'entends ça, ça m'évoque toujours les marchands de glaçons après l'ouragan à Atlanta. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, il y a eu tout un débat aux États-Unis quand en fait il y a eu l'ouragan qui avait passé. Qui a tout dévasté. C'était Katrina, je crois. Je ne me rappelle plus les noms d'ouragan. Stéphanie, si tu veux. Voilà. Donc,
qui dévaste tout. Et derrière, en fait, tu avais beaucoup de difficultés pour accéder à pas mal de choses, et notamment les glaçons, qui sont utiles, notamment sur les plaies, etc. Et les glaçons que tu trouvais à 2 euros à ce moment-là, avant l'ouragan, d'un coup, tu les trouvais à 100 euros, etc. Enfin, voilà. Et ça a fait tout un débat aux États-Unis pour savoir s'il était normal, s'il était juste, en fait, que le prix des glaçons soit à 100 euros, alors que c'était de première nécessité, etc. Enfin, voilà. Bon. L'exemple Terrano, c'est un peu la même chose. C'est quel est le prix et quelle est la valeur des choses et à quel moment, en fait, ça s'arrête. Est-ce que c'est une question d'offre et de demande, et auquel cas, à ce moment-là, ce que tu valorises, c'est la liberté de l'offre et de la demande en économie, et donc il n'y a pas de prix juste, c'est le prix du marché, voilà. Soit, en fait, tu considères par exemple que la santé, c'est un secteur réglementé, etc., et que donc, du coup, y a des notions de morale qui rentrent dedans, qui rentrent en compte. Et dans le financement des startups, notamment en Europe, en fait, il y a ça. Il y a cette part un peu de... Alors, je vois Antoine hocher la tête là-bas, il va prendre la suite, je pense. Il y a cette part un peu de, d'un côté, la loi du marché, mais un manque d'investissement qui ne prend pas en compte, justement, on va dire, la brutalité du capitalisme, qui se refuse à accéder à la brutalité du capitalisme. Et conséquence à la chose, tes levées de fonds, elles sont inférieures à ce que tu vas faire aux États-Unis, etc., en termes de capitaux, etc., parce que, en fait, l'Europe est un continent civilisé qui a une morale. Voilà. Alors du coup, toi, tu parles de ça dans ton livre, tu parles justement notamment en France, d'un des modes de financement parmi d'autres, mais qui est quand même important, qui est la BPI. Et tu es très critique justement envers le fléchage de ces financements, où ça va, pour qui, et quelle est l'idéologie un petit peu qui est derrière justement. Bah, déjà, je pense que la BPI, c'est vrai que je suis en plus, je moque un petit peu de la direction et de leur communication qu'ils font depuis quelques années, mais après, tu les connais un peu mieux que moi, je pense. Je les adore. C'est un outil de financement qui est important, surtout au début, je pense. De toute façon, quand tu as une start-up technologique en France, si tu ne touches pas un ticket de 50 000 euros au départ par la BPI, c'est vraiment que tu ne sais pas faire un dossier. Voilà. Ça prend du temps, ça peut prendre du temps, mais en général, ça marche. Le souci par moment, c'est que tu me dis si je me trompe, mais en gros, ils ont plusieurs activités. Une dans l'amorçage, ils font du prêt, ils font un peu de subvention, mais pas beaucoup. Et ils ont ils ont une partie fonds d'investissement, là qui fonctionne comme n'importe quel fonds d'investissement. A priori, non, il y a quelques petites différences quand même. C'est une différence en fait sur d'où viennent les fonds. T'as une différence, en fait, la différence par rapport aux fonds, c'est que les fonds vont sourcer eux-mêmes les startups, etc. Et en gros, font le tri eux-mêmes, etc. La BPI sur l'investissement fonctionne pas exactement comme ça. D'accord, parce que c'est je crois le directeur de la partie fonds d'investissement qui disait on est un fonds comme un autre, donc c'est pour ça que je... Mais non, parce que tu fais pas les mêmes due diligence pour un fonds que ce que tu les fais pour la BPI. Ok. C'est quand même il y a quand même de l'argent public dedans. Dont c'est pas faux que... En tout cas, sur une partie amorçage, etc. Enfin, voilà, tu peux discuter effectivement de l'utilité de filer un ticket de 10 000 à 50 000 euros à peu près toutes les boîtes qui se montent avec une appli et deux doigts. Mais ça reste de l'argent public qui a une volonté, en fait, d'inverse... Enfin, la BPI, c'est quand même une création, c'était un fonds avant, c'est une fusion, ils essayent d'en faire un truc qui rapporte de l'argent. Voilà. Alors que pour l'instant, soyons honnêtes, ça en dépense plus que ce que ça en rapporte. Mais c'est essayer de prendre des parts dans des startups qui, possiblement, travailleront sur le tissu industriel, etc. C'est une manière de financer aussi une politique
d'industrialisation qu'on a perdu. Mais est-ce que ça remplace une politique d'industrialisation, justement? Bon, peut-être pas la bonne question. On peut passer à autre chose. Non, ça remplace pas une politique d'industrialisation, mais pour faire une politique d'industrialisation, il faut des industries. Oui, effectivement, tout à fait. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup fait rire dans ton livre, Antoine. C'est, pardon, mais du coup, je bifurque, mais parce qu'on en a pas parlé là, parce que moi, j'aimerais bien parler aussi de la façon dont on vend la Startup Nation. Moi, si je dois faire un point d'étape, j'ai le sentiment que c'est finalement quelque chose qui est pas très nouveau, qui répète des schémas qui sont ceux du libéralisme, etc., avec plus ou moins de virulence et des modèles qui changent. Moi, je vois beaucoup, par exemple, du travailler plus pour gagner plus, qui est un peu devenu la Startup Nation, quoi. C'est un petit peu tout ça. Et finalement, ta critique, elle est très... donc, elle attaque en profondeur ces questions, mais elle est aussi en surface sur les discours, en fait, sur le langage, sur les gourous, sur... est-ce que ça ne prend pas, finalement, trop de place par rapport aux questions un petit peu plus techniques qu'on vient d'évoquer, justement? Moi, c'est ce que je pense, ça prend trop de place. Et surtout, ce que je disais au début, c'est un décalage par rapport à ce que font vraiment les gens dans ce milieu-là. On te vend le Zuckerberg, en gros, ou le Elizabeth Holmes. Alors que la plupart des gens qui essayent de lancer une boîte là-dedans, à ma connaissance, la plupart n'ont pas ce profil-là. Et quand tu regardes un petit peu aussi les chiffres, j'ai fait des chiffres avec le Next 40 de la semaine dernière, les 40 boîtes... ça n'a rien à voir avec ce jeune 20-25 ans qui lance sa boîte et qui te dit aussi que tout le monde veut le faire et qu'il faut y aller et à coup de discours totalement inspirant. C'est pas la réalité, en fait, tout simplement, mais ils sont au courant. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que les gens qui ont lancé ça au début, il y a longtemps, étaient un peu plus conscients de ce qu'ils faisaient. Mais maintenant, c'est juste des jeunes qui voient une opportunité. Et ils ont vu, ce matin, quelqu'un qui me disait, ceux de maintenant, ils ont vu de la lumière, ils disent, tiens, ça a l'air de marcher, on a l'air de pouvoir vendre un petit peu de bouquins, de conférences, de machin, et hop, on fait la même chose. T'as vu Station F ? Ça fait beaucoup de lumière, hein. Non, mais, après, profil type du start-upper en France, homme, blanc, 42 ans, surdiplômé de grande école. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Les chiffres que j'ai faits... Déjà, moi, je ne suis pas dedans. Ouais. Voilà. Je rappelle qu'il n'y a que 4% de femmes dans les profils technologiques. OK. Ouais. Au niveau inclusif, on passera. Ouais. Ensuite, tous quasiment surdiplômés. Grandes écoles, etc. Alors après, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on va disrupter le marché mondial en n'ayant pas fait une grande école, parce que d'un coup, on s'est dit qu'en fait, on allait faire tourner la Terre dans l'autre sens, un peu comme Elizabeth Holmes. Ouais. Mais enfin, en général, quand tu es sur des profils un peu technologiques, il vaut mieux avoir quand même un peu de background. Bah, oui. Donc, ouais. Si je peux te donner quelques chiffres, sur les 40 boîtes du Next 40, moi, j'ai relevé à peu près 90 fondateurs sur les 40. Donc, dedans, comme tu disais, il y a 4 femmes, dont 2 dans la même boîte. Il y en a une, ouais, c'est une boîte où ils étaient 6 cofondateurs, donc aussi sur ça, ça fait du monde. Il y en a une qui est patronne de la boîte sur les 40, et encore copatronne avec son mari. Donc voilà, sur pareil les 40. Ouais. Oui, pour le coup, là. Je suis copatronne avec mon mari. Mais là, pour le coup, et c'est. Vas-y, ouais, non, juste rapidement, sur l'âge à la fondation de la boîte en question, c'est 30,6. Il y a à peu près 90%, c'est soit école de commerce, soit ingénieur. Là, réparti à peu près de façon égale, il y a quand même un agrégé de philo et un médecin. C'est perdu. Mais ouais, il y en a pas beaucoup. Et mais j'avais Peter quoi d'autre ? Thiel est agrégé de philo. Hein. Non, c'est vrai. Peter Thiel est agrégé de philo. Être agrégé de philo ne garantit absolument pas d'être quelqu'un. Enfin, pas agrégé, il est docteur, mais il est docteur en philo, spécialiste de Nietzsche. Alors, moi, ce qui m'intéresse, je la comprends, cette critique. Je pense qu'elle est aussi, quelque part, elle reflète l'état de la société française. Il faut prendre le micro. Non, pardon, je lui demandais s'il avait fait le calcul de combien se lever à 5h du matin. Ah oui, avec la méthode. Faisait du yoga avant de lire leur mail et... évidemment, lisez tous les livres de la liste de Bill Gates, tous les
Enfin, non, mais attends, parce que ouais, les morning routines, c'est hyper important. Quoi. J'ai eu qu'une demi-journée y consacrée, donc à part les profils, les âges, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Justement, si tu t'arrêtes au profil et aux âges, considérant qu'effectivement, c'est problématique, comme toujours, c'est aussi la rhétorique qu'emploie quelqu'un comme Cédric O, donc le nouveau délégué au numérique, avant Mounir Majoubi, etc. Donc les startups, etc., elles ne sont pas inclusives. Du coup, on plaque un espèce de jamais sans elles ou quelque chose comme ça, où tu es très critique d'ailleurs aussi. Mais finalement, est-ce qu'une start-up, est-ce qu'un modèle start-up avec autant de femmes que d'hommes est souhaitable juste parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? Est-ce qu'on a questionné derrière? Non, je pense pas. Non. Il y a quand même le. Je sais que tu ne le penses pas. Il y a toujours ce mythe quelque part de rendre éthique quelque chose qui à la base questionne profondément quant au rôle de l'individu dans la société qui va tout changer grâce à la technologie. Donc c'est quand même le titre fantasme technologique qui, à un moment donné, qu'il faut questionner. Quoi. Ouais, je pense que tu as fait la question et la réponse, du coup. Ouais, Mais attends, moi j'en ai une de question. Est-ce que une usine avec autant de femmes que d'hommes, c'est souhaitable? Je pense que c'est compliqué et que ça dépend du contexte. Voilà. Bah, t'as ta réponse, comme ça. En fait. En soi, la technologie, c'est pas la technologie qui pose un problème. Non, mais disons que c'est ce que tu en fais. C'est le rapport de domination qu'elle peut éventuellement créer dans la façon dont elle est installée quelque part. C'est la médiation qu'elle offre. Le rapport de domination n'est pas qu'à la technologie. Le rapport de domination est d'abord culturel. Enfin, quand tu mets un ouvrier derrière une machine, à un moment donné, il n'est plus dans son atelier en train d'être un artisan. Quoi. Tu vois, il y a une forme de prolétarisation quand même de la personne. Oui, donc en fait, parce que du coup, en fait, là, s'il n'est plus un artisan et qu'il devient donc un ouvrier, ça veut dire qu'en fait, c'est l'industrialisation qui a un problème. Donc le marché de masse. C'est un autre débat, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je suis effectivement... autre débat. Mais ça m'intéressait aussi. Non, mais je pense que, tu vois, typiquement, ce genre de questions aujourd'hui, quand on voit les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ils sont peut-être... je me demande s'il n'y a pas peut-être une forme d'illumination. Tu parles beaucoup de 42, par exemple. Toi, Ablim, tu me disais que c'était quelque chose qui n'était pas nouveau. Non, est-ce qu'il y a aussi un souci avec la formation, par exemple? C'est comment chez vous, par exemple, à l'IMT? À l'IMT. Je travaille pour l'IMT, mais avant, j'ai travaillé... j'ai travaillé pour des écoles de Xavier Niel. fierté. Très objectivement, entre la formation que tu donnes dans une école type 42 ou beaucoup de... c'est pas bien. On va rester sur 42, c'est bien. Quand même n'est qu'une école de la deuxième chance, c'est-à-dire que c'est pas une école de formation. Hein, faut pas en faire un exemple, en fait. C'est pas diplômant, c'est une école de la deuxième chance, c'est majoritairement dû... si je le dis en allemand, je dirais Demerdensisich, tu vois, sur la pédagogie, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dans une école d'ingénieur. Ça, c'est. Si tu me demandes ce que c'est la formation à l'IMT, Non, c'est pas ça que je demandais, c'est comment les étudiants voient ce milieu de la start-up. Tu parlais d'illumination, Irénée, parce que moi, j'ai vu pas mal ça de gens. Ça a beaucoup changé. Ah ouais, en école de commerce et même à la fac, surtout du côté économique, mais en fac d'éco, ils arrivent en L1. Moi, j'ai pas mal de copains là-dedans. Ils arrivent en L1, ils pensent start-up. Si le prof veut faire un truc qui les accroche, ils parlent de start-up. Ça a beaucoup changé, en fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, les deux dernières années, là, il y a deux choses. L'urgence écologique, qui fait qu'en fait, dans les élèves ingénieurs, qui en fait quand même connaissent le bilan carbone d'un serveur, etc. Le déploiement, etc. L'urgence écologique fait qu'en fait, la plupart des élèves ingénieurs maintenant voient les choses de façon assez différente, même de leurs profs, en fait. Ça me rappelle ce discours de ce jeune centralien à Nantes qui a fait un discours lors de sa cérémonie où il s'est fait diplômer, très critique justement envers l'administration de son école. Oui, mais c'est vrai. Qui ne traitait pas les questions climatiques. Tu en as de plus en plus. Si je donne une anecdote d'une école que je connais bien, ils ont essayé de faire parrainer par un très grand compte qui n'est pas spécialement à bilan carbone zéro la promotion des élèves.
Et manque de bol, on avait organisé une conférence avec Jean Covici 3 mois avant. Bon, ben, c'est pas bien passé. Le message est rentré. Non, ça a pas bien marché. Tu as une vraie différence par rapport à ce qui était avant les étudiants. D'abord, tu as ça, tu as l'urgence écologique. Et ensuite, tu as toujours ce mythe du self-made man. Parce que finalement, en fait, le mythe de la start-up, c'est quand même beaucoup fondé sur le mythe du self-made man, qui va non seulement se faire, mais en plus solutionner l'intégralité des problèmes de... Enfin, voilà. Je rappelle que Kamel solutionnait les problèmes de poumons des docteurs en 1936. Hein, donc, enfin, voilà. Ça dépend du point de vue dont on se place, quoi. Mais... Les élèves étudiants, enfin les étudiants aujourd'hui, je trouve, sont, et depuis 2 ans, là, on le voit vraiment, il y a une notion de communauté plus que d'individualisme. Et donc la start-up, bah, ça les fait moins rêver. D'accord. Je te laisse le mot de la fin, Antoine, on va devoir... Ah ouais, non, mais c'était le mot de la fin, je pense. C'est intéressant à voir. De toute façon, il y a une séance de questions, n'hésitez pas. Qui veut prendre la parole. Je pense vraiment qu'il y a un vrai changement. Ben merci, en fait, déjà. Il faut applaudir. Non, aussi. Non, c'est après, normalement. Ouais, voilà, trop tard. Ouais, du coup, là, c'est surtout si vous avez des questions, et c'est le moment. C'est à moi. Oui, j'avais lu le titre d'une autre manière. Bon, je... Parlez bien dans le micro, monsieur. Oui, j'avais lu le titre d'une autre manière. Parce que, bon, d'ailleurs, Startup Nation, moi, je trouve que c'est un oxymore. Bon, donc la startup s'est appelée plus ou moins à disparaître, à être vendue. Et la nation, c'est quand même une histoire. Donc déjà les deux mots, d'autre part. Donc moi je pense qu'il y avait derrière cette idée-là la volonté de ramener donc la nation à une série d'individualités, donc, et de faire disparaître un peu cette notion de société, de nation. Donc, en fin de compte, moi, je pense que derrière ça, c'est toujours le même problème, c'est le développement du libéralisme, de l'individualisme. Et donc, d'autre part, ça rejoint un peu une certaine idée à une certaine époque, où je sais plus, il y avait un dirigeant syndicaliste de la CGT qui disait, parce qu'on luttait contre le chômage, qui disait, on va quand même pas créer des bars à tous les coins de rue de la ville. Donc c'est un peu là, on a l'impression aussi qu'il faut créer des startups. Alors, si je peux me permettre juste un truc, il se trouve qu'en fait, la nation, ça s'est aussi construit sur des grands mythes. Et ça s'est aussi construit sur des grands mythes individuels, c'est-à-dire des grands hommes, qui en général étaient des grands conquérants ou des grands généraux ou des grands constructeurs, etc. Ça va de Colbert à Bonaparte en passant par... ça se construit beaucoup sur des grands mythes, la nation, des grandes personnalités. Le problème aujourd'hui, c'est que vous êtes dans un continent européen qui n'est pas en guerre, ce qui est une chance, hein, attention, entendons-nous bien, et où la guerre, elle est économique. Eh bien, votre grand mythe, en fait, c'est le mythe de l'entrepreneur. Voilà. D'où le mythe de la Startup Nation. Le besoin d'avoir un grand mythe. Voilà. Chez nous, c'est Xavier Niel. Voilà. D'autres questions là-bas ? Merci. Je n'avais pas préparé de questions, mais juste je rebondis sur ça. J'ai du coup une question au rebond. Kevin, enchanté. Tu as des oreilles de lapin, Kevin. Bonjour, Kevin. Déjà. J'ai de mal à toujours rêvé de dire ça. Bonjour, Kevin. Bonjour. Non, la question, c'est donc, Xavier Niel, on parle de l'entrepreneur. En fait, Xavier... Non, mon cousin. C'est vrai ? Ouais. Cool. Il est... Ouais, c'est vrai. Sur le testament ou pas ? Non. Je sais pas, j'y réfléchis. Ok, ça marche. Non, mais Xavier Niel est
Mark Zuckerberg, c'est quand même deux histoires qui sont très très différentes. Ou si on prend Bernard, qui a été en prison, si on prend Bernard Arnault, ouais, si on lit, je sais plus comment s'appelait Aurélien Bélanger sur la vie de Niel, c'est pas du tout l'entrepreneur américain, c'est pas du tout le même modèle, c'est pas du tout la même formation. Si on prend Bernard Arnault, c'est pas du tout la même façon de construire LVMH que de construire un Facebook ou un Google. Et donc en fait, le mythe, en réponse au monsieur, la réponse que vous donnez, qui est de dire c'est le mythe d'aujourd'hui de la guerre économique européenne, en fait c'est un mythe qui est un mythe américain et qui est pas un mythe de chez nous. Et donc pourquoi c'est pas, à votre avis, pourquoi c'est pas le mythe effectivement Xavier Niel, de la façon dont Xavier Niel s'est construite ou de la façon dont Bernard Arnault s'est construit, qui persiste ici? Pas à dire que c'est un meilleur modèle, hein, mais juste pourquoi est-ce qu'on a apporté ce modèle-là? Pourquoi vous liez Bernard Arnault avec Xavier Niel? C'est parce qu'en fait il est marié avec sa fille, c'est ça? C'est vrai en plus, ouais. Ouais, je sais. Non, c'est pas pour ça, c'était essentiellement pour un critère majeur de l'entrepreneur qui construit tout de rien et qui finalement arrive à la tête d'une fortune qui lui permet de mettre la main sur... C'est pas pareil. Arnaud, c'est un raider qui a construit sa fortune à partir justement de ce qu'il critique dans la Startup Nation, c'est-à-dire la levée de fonds, la capacité à en fait jouer sur vraiment la partie boursière en fait. Il a jamais rien créé par lui-même, il a repris des boîtes. C'est pas pareil. Il en a fait un empire, etc. Enfin voilà. Niel, pour le coup, on peut. Enfin voilà. Après, son mariage a fait une levée de fonds que personne n'avait avancé. Mais il n'empêche que il a quand même eu à un moment la bonne idée, d'abord de faire du cul sur Minitel. Hein, ça, c'est 15 U là. Ouais. Ça, c'est un marché qui fonctionne toujours. Hein, voilà. Et quand même, de créer un FAI, ce qui n'est pas rien, hein, en termes d'investissement, de technique, etc. Enfin, voilà. Lier les deux, je trouve que c'est. Okay. Oublions lier les deux. Ma question, c'est pourquoi c'est Zuckerberg l'idole et c'est pas Niel? Et pourquoi c'est le modèle à l'américaine qui est idolâtré, et on n'a pas un modèle à nous, un entrepreneur à nous qu'on met devant, sachant que je ne suis pas sûr que ce soit une meilleure alternative. Parce qu'on n'aime pas le capitalisme. Ouais, mais du coup, on aime le capitalisme américain, mais on n'aime pas le capitalisme français. On essaye d'importer l'image du capitalisme américain. On essaye d'importer... et en fait, c'est ce qu'il dit, lui. C'est-à-dire, en fait, on importe la Startup Nation et le modèle Zuckerberg, etc. Enfin, voilà. Et on importe ça. Enfin, voilà. Mais ça ne fonctionne... Enfin, la greffe prend assez mal, en fait. On n'aime pas les capitaines d'industrie, on n'aime pas le capitalisme. Avec des raisons d'ailleurs, hein, pour certains. Voilà. On ne l'aime pas, on est quand même une des grandes puissances capitalistes de la planète, on est un pays fortement industrialisé, on est un pays. Enfin, on ne l'aime pas, disons que c'est une relation compliquée. Mais il y a des pays qui aiment moins le capitalisme, tu ne peux pas dire ça comme ça réellement. Je veux dire, on est un pays critique, c'est pas, pardon des clichés, c'est pas la Corée du Nord. Quoi. Non mais d'accord, tu vas aux États-Unis, la partie. On a élu Emmanuel Macron. Mais on l'a pas fait exprès. Non, je te jure. On n'a pas fait exprès d'élire plein de gens qui. Hein. Je te jure. Enfin, de toute façon, est-ce que tu avais le choix? Tu vois. On ne peut pas répondre à cette question quand on est filmé. C'est pas politiquement correct. Voilà. Non, mais il reste la question de pourquoi on va choisir ce modèle-là alors que, a priori, il prend pas. Ou il n'est pas adapté à notre vision du capitalisme. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est cette histoire de guerre commerciale où on se dit c'est eux les leaders pour l'instant, on va essayer plus ou moins d'importer un modèle qui a l'air de marcher, même si c'est complètement hors sol. Mais les Chinois l'importent chez eux. Enfin, regarde ce qu'ils font avec Jack Ma. Voilà, Jack Ma, quand même, qui est... un montage de toutes pièces, à peu près, on est à peu près sûr que c'est les capitaux de l'État chinois qui financent la moitié du truc, etc. Et regarde comment il se présente. Limite, maintenant, il te fait des TED Talks en te disant que oui, j'ai bu un petit thé ce matin et puis c'était vachement bien et j'ai acheté deux boîtes à 2 milliards. Voilà. Ah, après, je me permets une digression. C'est vrai ce que tu dis sur la Chine. Le problème, c'est que c'est vrai aussi sur les États-Unis. Hein. Derrière un Mark Zuckerberg, tu as des années et des années de financement, enfin, tout le monde le sait, hein, qui sont issus notamment de la guerre. Mais attention, qui auraient pu être issus d'autre chose que la guerre. Parce qu'on a souvent l'impression que parce que c'est la guerre, on investit et on innove. En fait, quand c'est la guerre, on investit beaucoup en part de PIB.
Mais si tu faisais autant en période de paix, tu aurais les mêmes technos. Et tu en aurais même des meilleurs, parce qu'en plus, il n'y aura pas le secret des affaires, etc. Et tout. Enfin, moi, j'ai l'impression aussi que ce modèle d'entrepreneuriat qui est incarné par la figure d'une personne, alors il se retrouve peut-être pour des tas de raisons historiques, mais aujourd'hui, c'est surtout un gros piège pour les Européens, et ça, tu le dis aussi, qui croient encore qu'on fait de la techno dans des garages. Alors qu'en fait, on n'a jamais fait de la techno dans des garages. On a fait personne ne croit, enfin, personne de sérieux ne croit qu'on fait de la techno dans des garages. Sauf tous les gens qui sont critiqués là-dedans, à raison. Oui, mais je suis d'accord avec toi, effectivement. Enfin, c'est exactement, enfin, ce que tu dis là, en fait, c'est la puissance du discours, la puissance performative du discours. Bon, bah, tu l'as sur à peu près tous les secteurs, à la fois d'économie, de, enfin, voilà, enfin, je veux dire. Enfin, on a tous lu Bachelard. Enfin, on sait ce que c'est. Enfin, je veux dire, la puissance du discours et de conviction, etc., que ça porte, c'est performatif, on le sait tous. Tu l'as sur la techno en ce moment, parce que c'est là où en fait, on a quand même une excellence. C'est-à-dire là où on est à peu près compétitif quand même. Tout à fait. Genre, il y a une autre question. Et moi, j'avais une question pour Antoine, mais éventuellement. C'est, est-ce que les gens que toi, tu as rencontrés dans les différents entretiens que tu as faits, est-ce qu'ils sont persuadés qu'ils vont résoudre les problèmes amenés par la technologie avec plus de technologie, ou est-ce qu'ils sont juste cyniques et qui veulent lever du pognon et donc ils sont prêts à raconter n'importe quoi? Est-ce que vraiment ils croient à leur truc, quoi? Ouais, alors c'est toujours difficile. Alors moi, j'ai surtout rencontré des gens qui sont pas dans cette idée-là et qui font leur boîte avec des ambitions. C'est pas parce qu'on rentre pas dans le principe de la levée de fonds à outrance qu'on n'a pas d'ambition. C'est ça aussi dont on pourrait parler, mais... Hein, ouais. Oui, je suis d'accord. Et il y en a beaucoup, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est énormément. Ceux qui sont invisibles. Et le problème, c'est qu'on voit que les autres. Par la puissance du discours. Par la puissance du discours uniquement. C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que les premiers, la première génération, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Maintenant, peut-être beaucoup moins, parce que j'ai dit tout à l'heure, ils ont vu la lumière, ils se sont dit, tiens, ça a l'air de marcher. Et puis, ils sont arrivés là-dedans. Peut-être un peu par opportunisme, mais après c'est normal aussi, il y a un marché qui se crée, tout le marché de l'inspiration. Moi j'ai vu quelqu'un il y a pas longtemps qui, sortant d'une école de commerce, n'avait pas d'idée de start-up comme ses copains, du coup il a raté sa life, et du coup qui a lancé une chaîne YouTube d'interview d'entrepreneurs inspirants, et en disant je suis entrepreneur des médias. Toi t'as fait la même chose avec des gens qui sont de l'autre côté de exactement. Moi j'adore le terme inspirant, ouais. c'est mon préféré. Et donc il y a aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément conscients de dans quoi ils tombent, et bon, quand je vois ces gens là qui se lancent dans l'entrepreneuriat en faisant des interviews inspirantes, il faudrait faire quelque chose pour leur dire, quoi. En fait ils font juste quelque chose de leur vie, en fait. Ah, mais c'est comme tu sais, au début en fait, où on écoutait du rap. Ok, bon, bah, t'avais deux groupes de rap en France, un qui était en haut et l'autre qui était en bas, tu vois, enfin voilà. Je parle géographiquement. Hein. Ouais, je les ai en tête. Ouais. On est assez vieux, toi et moi, pour les avoir connus, donc enfin voilà. Et puis d'un coup, tu vois, ça a marché. Et là, mais t'as tout eu, tu vois, parce que le discours disait, ah ouais, c'est vachement bien quand même, cette musique urbaine qui renouvelle, enfin voilà, etc. Attends, on a tous lu les In Rock et les émissions de France Culture pour te dire qu'en fait la musique urbaine c'était vachement bien, et du jour au lendemain tu t'es retrouvé avec Aya Nakamura, quoi. Tu vois, bon, ouais, c'est puis, pareil. Ouais, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés. Et puis Booba a tué le game. Et puis, voilà. Booba, c'est un peu le GAFA du rap. Quoi. Ouais, Booba, c'est. Est-ce que tu veux qu'on fasse un combat? Fais gaffe. Attends, non, mais moi, je rêve du combat. Tu vois, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. En plus, il a vachement. Mark Zuckerberg, Bill Gates. Ah ouais. Et on avait une autre question, je crois. Avec des cure-dents. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, en fait, est-ce que vous ne pensez pas que le problème en France du modèle de l'entrepreneur, ce serait un peu comme les fameuses écoles là, que vous avez citées, plus le côté modèle de mise en situation professionnelle prolongée, quoi. Les élèves viennent et en fait, on leur apprend à faire ça, quoi. C'est à s'intégrer, mais pas en fait, à vraiment développer leur projet. Je me demandais ça. Non, mais en fait, il y a un truc qu'Antoine dit très bien dans son livre et qu'on a oublié de dire, c'est le premier financeur des startups en France, c'est Pôle emploi. Voilà.
Donc, c'est un peu pareil, en fait, pour les étudiants. C'est, bon, comme on n'est pas tout à fait sûr que tu vas trouver un taf, et que, bon, finalement, peut-être on peut arriver à te faire sponsoriser par Pôle emploi pendant un peu plus longtemps. Voilà. Il y a un super dispositif qui s'appelle ACRE, crée ton entreprise, deviens auto-entrepreneur et monte ta start-up. Ouais. Alors, qui est intéressant pour des deux côtés, pour les gens qui veulent créer une start-up et ils ont du chômage pendant qu'ils ne ramènent pas d'argent. Ça, on pourrait le dire, c'est une infographie que qu'on avait vue. À Station F, par exemple, il y a la moitié des entrepreneurs qui sont à Station F. Alors, il y a 35% qui gagnent rien, zéro. Et donc 15% en plus qui sont en dessous de 20 000 euros par an. Donc j'imagine. Parce qu'en dessous de 20 000 euros par mois, bon, si tu veux, on n'était pas choqués. Tu survis, ouais. Enfin, tu vois, on survit. J'imagine qu'à Paris, c'est pas énorme. Enfin, par mois, si, mais par an. 20 000 par mois ouais. Non, je te jure, même à Paris, tu survis. Donc voilà, ça c'est une chose. C'est aussi valable de l'autre côté pour toutes ces startups un peu à la Uber qui bossent sur... Alors, c'est pas des auto-entrepreneurs, ils appellent ça des partenaires... comment ils disent, partenaires extérieurs ou... Ouais. Enfin, partenaires. Ouais. C'est mieux que de dire, en fait, on t'a exploité, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Donc là pour eux, c'est intéressant aussi parce qu'ils ont des auto-entrepreneurs qui ont des aides de Pôle emploi. En gros, les aides de Pôle emploi subventionnent les plateformes qui s'en servent. Et d'ailleurs, ils sont un peu embêtés parce que le dispositif, là, je sais pas si t'as vu, va être revu. Parce que au départ, ce dispositif était pour les demandeurs d'emploi. Au 1er janvier, ils ont dit, bah, en fait, c'est pour tout le monde. Ah bah, il y a eu tellement d'immatriculations que là, ils ont dit, ouais, en fait, on va revenir dessus, ça marche pas. Donc là, au 1er octobre, c'est en 10 jours, ils ont décidé, ils n'ont pas eu de concertation, rien. Avant, vous aviez une aide, vous payez, je crois, c'est 10% des cotisations la première année, 25% la deuxième, 50% la troisième. Enfin, je sais tu dépassais 28 000 euros, ouais, et, bon. Selon mais là, un taux. Ils ont, donc là, c'était sur 3 ans dégressif. Là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup trop de monde. Donc, a priori, à partir du 1er octobre, c'est 50% la première année pour tout le monde. Et après, vous payez tout. Donc, ça va poser des problèmes. Les plateformes type Helpling, etc., ça va être compliqué. Mais pour te répondre, en fait, sur la formation et le côté entrepreneur après la formation, le truc, en fait, c'est que souvent, les étudiants confondent projet et projet d'entreprise. Et que dans les formations, beaucoup d'écoles maintenant te font le très fameux on va faire de l'UX, on va faire en fait on va faire les trucs en mode agile, on va vous apprendre la méthode agile, vous allez faire du Scrum, du CRM, enfin voilà, ça va être génial. Et donc on essaye d'apprendre ça aux élèves. Entre autres choses, parce que c'est vrai que ça, par l'open innovation, ça arrive dans les grands comptes et dans les entreprises, etc. Et que effectivement, de plus en plus d'équipes travaillent, Irénée, en mode agile. Voilà. Oui, je suis product owner dans une équipe agile dans mon autre vie, tout à fait. Voilà. C'est vrai. C'est, je peux en témoigner. Il a coché toutes les cases au Pipo Bingo, quoi. J'ai fait de l'UX. Voilà, je suis product owner en méthode agile et je suis Scrum Master. Mais j'ai pas fait exprès. Ouais. Mais voilà, et en fait, pour essayer d'apprendre tout ça aux élèves, etc., en général, on les fait travailler en mode projet. Parce que la gouvernance des entreprises actuellement essaye de faire les choses de façon plus... moins siloté que ce qu'on les faisait avant et donc essaye de faire des modes projet. Et le problème, c'est qu'après, les gamins, on leur explique en fait que leur projet, qui franchement, en général, on l'a tous regardé, enfin, quiconque a corrigé des projets étudiants le sait, quoi. On est ravis qu'ils veuillent changer le monde, mais à chaque fois, moi, ça me fait penser à Miroslav Baumann qui dit en fait, un jour, on sera gouverné par des gens qui seront des petits jeunes de 90 ans parce qu'on arrivera à être suffisamment vieux. Et là, enfin, le monde arrivera à une certaine maturité puisque la transmission culturelle est beaucoup plus longue que la transmission génétique et qu'on devient mature à peu près en transmission culturelle vers 50 ans. Donc vous imaginez bien que le jeune étudiant de 18 ans, au niveau maturité, on n'y est pas.
Voilà. Et quand vous corrigez les projets, vous êtes super content de voir leur enthousiasme et ça fait super plaisir, etc. Mais, enfin, on l'a tous fait, quoi. Donc, on le sait. On n'est pas sur un projet d'entreprise, très clairement. Mais dans le discours, vous êtes obligé de le leur faire croire parce que vous leur donnez envie. Vous devez leur donner envie. Et c'est normal de devoir leur donner envie. Parce que leur donner envie d'être entrepreneur, quelque part, c'est aussi leur donner envie d'être responsable. C'est aussi leur donner envie de se prendre en main, d'essayer, de se battre, d'affronter une adversité aussi, etc. Parce que être entrepreneur, c'est partir aussi dans un monde concurrentiel et affronter une adversité, etc. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement que de leur dire que leur projet... C'est un projet d'entreprise, mais c'est faux. Les pousser à être entrepreneur, mais pas forcément start-upper. Mais ça n'a rien à voir. Entrepreneur, c'est le fait d'entreprendre. Bon ben, et pas, enfin, pas le fait d'être start-upper. Entrepreneur is a French word, comme on dit. Sur ouais. Merci Jacques. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question ou il y a une autre question? Oui. Sinon, il y a un pot. J'ai dit, si on voulait tous aller manger, et ben. Une remarque, donc évidemment, je suis de la génération qui a vu la télématique. Certains ont parlé de la cucumatique à propos de. Bon, donc j'ai eu beaucoup de copains qui étaient start-upers, pour dire actuellement. Est-ce que ça change beaucoup, finalement, par rapport à. Non. Non. Ça changerait ? Enfin, moi, je voudrais dire un truc, c'est si vous avez le temps, lisez Le continent de la douceur d'Aurélien Bélanger. Vous y retrouverez tout. Et puis la théorie de l'information aussi, le bouquin sur Niel voilà. Que tu citais, qui est magique. Tout Aurélien Bélanger est très bien, mais les deux ensemble, ça va très bien. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux, à Antoine, à Abline. Et puis je crois qu'on peut les applaudir. Et puis...